Alors, ce qu'on appelle l'optimisation fiscale agressive, c'est l'utilisation par des sociétés multinationales de toutes les failles des législations nationales pour arriver à ne payer aucun impôt dans pratiquement aucun pays. La plupart des entreprises du numérique arrivent à ne payer aucun impôt dans les pays européens, ni même aux États-Unis. Mais ça n'est pas seulement vrai des entreprises du numérique, beaucoup d'autres entreprises font la même chose. Et si on veut changer les choses, eh bien, il faut à la fois se mobiliser au niveau national, mais aussi, bien sûr, au niveau multinational, et c'est ce qu'a fait l'OCDE. Je cite Google parce que son schéma est connu et parce que c'est en gros ce que font toutes les entreprises du numérique. Si on veut résumer le schéma d'optimisation de Google, ça consiste à accumuler tout le chiffre d'affaires dans un pays, l'Irlande, dans une société qui est basée en Irlande, non pas pour payer le taux d'impôt sur les sociétés irlandaises, qui est de 12,5%, mais pour utiliser une autre spécificité de l'Irlande, c'est que l'Irlande accepte qu'une holding, qu'une société installée en Irlande, mais qui réunit son conseil d'administration Bermude, soit considérée comme ne relevant pas du droit irlandais, mais du droit des Bermudes, c'est-à-dire d'une imposition zéro. Alors que fait Google ? Ben, le logiciel est dans la holding, dans la société holding, qui réunit son conseil d'administration en Bermudes, une fois par an. Le chiffre d'affaires, lui, et les profits réellement réalisés est dans l'autre société, et une redevance est payée par la société qui accumule le chiffre d'affaires et les profits. Cette redevance absorbe tous les profits qui vont dans la holding, et ces profits ne sont pas imposés. Ils ne sont pas non plus imposés aux États-Unis parce qu'il y a une autre particularité de la législation américaine qui s'appelle cocher une case. Une entreprise multinationale, en cochant une case dans une déclaration fiscale, peut dire « j'ai des profits à l'étranger, je ne les rapatrie pas aux États-Unis ». Tant qu'ils ne sont pas rapatriés aux États-Unis, ils ne sont pas imposés. C'est comme ça que Google, mais toutes les sociétés du numérique, ne payent pratiquement aucun impôt dans les pays européens, ni même en Irlande, et n'en payent pas non plus aux États-Unis puisqu'ils ne rapatrient pas leurs profits. C'est profondément choquant au regard de l'égalité devant l'impôt puisque les plus grandes entreprises du monde arrivent comme ça à échapper à l'impôt sur les sociétés. Alors, quand nous l'avons commencé, il n'y avait pas une telle mobilisation. Il y avait déjà il y avait des événements comme le fait que Starbucks ne payait pas ses impôts au Royaume-Uni qui était apparu dans la presse. Il n'y avait pas une mobilisation aussi forte. Nous avons fait cette mission d'information pour accompagner les travaux de l'OCDE qui commençaient et puis aussi pour voir comment dans la législation française nous pouvions changer les choses en ayant toujours en tête qu'il y avait toujours à la fois une action internationale et européenne et une action nationale. Du côté national, on a fait voter dans la plupart des propositions, il y en avait 10, elles ont toutes été votées par l'Assemblée nationale, pas toutes retenues par le Conseil constitutionnel, mais en tout cas, la législation française a évolué, en accompagnant d'ailleurs des réflexions que l'OCDE porte et propose maintenant à tous les pays. Du côté international, il y a eu un formidable changement. L'exemple de Google que je prenais, qui s'appelle le double irlandais, c'est-à-dire cette possibilité d'avoir une société, une entreprise basée en Irlande, mais qui ne relève pas du droit irlandais, ça n'existe plus, puisque l'Irlande a été obligée de changer ce double irlandais. Il y avait un autre, dans le schéma Google, il y avait une autre spécificité, qui était cette fois aux Pays-Bas, de servir en quelque sorte de transit à des fonds qui passaient d'un pays à l'autre pour ne pas être imposés. Ça aussi, ça a été modifié. Donc c'est vrai qu'il y a des changements. Et puis le plus gros changement, il s'est produit en Europe. L'Europe était peu concernée par ces problèmes pour une raison simple, c'est que la fiscalité ne relevait pas du droit européen, mais du droit national. Mais l'Europe a compris, à la suite du scandale LuxLeaks, que finalement, cette optimisation fiscale des grands groupes multinationaux, elle faussait complètement la concurrence, puisqu'elle permettait à des grandes sociétés multinationales de ne pas payer d'impôts. Et donc, l'Europe s'est saisie de ce sujet en avançant, en proposant des directives. Et je pense que l'évolution la plus importante, celle qui me paraît la plus fondamentale, c'est d'avoir la même base d'impôts sur les sociétés, les mêmes règles, partout en Europe, de façon à empêcher cette optimisation.
Et puis même d'aller plus loin, c'est ce qu'on appelle le projet AXIS, l'assiette consolidée d'impôts sur les sociétés. Pour les multinationales, on peut penser que non seulement pour toutes les sociétés, il faut les mêmes règles fiscales en Europe, et j'espère que l'Europe avancera là-dessus, mais pour les sociétés multinationales, il faut aussi une règle de répartition des profits réalisés de façon à ce que les profits soient imposés où ils sont réalisés. Les profits de Google, ils sont réalisés en Allemagne, en France, au Royaume-Uni. Ils ne sont pas réalisés pour l'essentiel en Irlande. Ils doivent donc être imposés dans chacun des pays. Et l'Europe et l'OCDE ont beaucoup avancé sur les méthodes qui permettraient de faire cette répartition des profits et des impôts en fonction de l'endroit où ils sont réellement réalisés. Alors, je pense qu'on a besoin d'une vraie mobilisation citoyenne. Elle existe déjà. Il y a des associations citoyennes qui militent pour à la fois la transparence, et c'est grâce à elles qu'on a avancé en France et qu'on avance en Europe sur la transparence des multinationales. Je crois qu'il faut continuer. Il faut continuer dans ce domaine. Il faut aussi qu'il y ait une pression citoyenne pour qu'une grande entreprise considère que le civisme fiscal, c'est aussi important que le respect de l'environnement. Ça fait partie des valeurs fondamentales. Et dans mon rapport, j'avais proposé que ce soit un des critères utilisés notamment quand l'État participe dans une société multinationale, dans une grande société comme actionnaire, que le civisme fiscal fasse partie des critères. Je pense que c'est un sujet fondamental parce qu'on a vu que les choses ont changé pour des comportements de multinationales qui étaient un peu choquants, qui étaient même profondément choquants sur le plan environnemental ou sur le plan d'ailleurs du respect parfois des droits les plus élémentaires, eh bien il faut aussi que ceci se passe dans le domaine du civisme. Après tout, une grande société multinationale, elle a une responsabilité vis-à-vis des citoyens des pays dans lesquels elles opèrent et il faut qu'elles en prennent conscience.